La démission du président Alassane Ouattara est lancée en Côte d'Ivoire. L'aide du camp de M. Guillaume Kibafourissourou fait de terribles révélations. Le commandant Fofana sort enfin de sa cachette et clash très sévèrement le RHDP de M. Ouattara. Que se passe-t-il? Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Guillaume Kibafourissourou a-t-il fui la justice de Côte d'Ivoire? C'est la question que s'interrogent de nombreux militants et sympathisants. La question a été le fil rouge de la première conférence de l'Université populaire de génération et peuple solidé, en abrégé PIS, lancée en France samedi 6 novembre par le professeur Franklin Nyamsi. Depuis la page Facebook de M. Guillaume Kibafourissourou, M. Franklin Nyamsi a convoité par la circonstance des proches de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafourissourou, notamment sur le retour manqué du 23 décembre dernier. Parmi ses intervenants, son aide du camp, le commandant Fofana, a profité de l'occasion et s'est exprimé en ce jour sur sa page officielle Facebook. Le commandant Fofana fait de terribles révélations à l'encontre du dit Soro Ouattara. En exil en France, depuis de longues années déjà passées, il était au nombre de 5 passagers dans l'avion transportant M. Guillaume Kibafourissourou de Paris à Abidjan. Une énorme déception pour le militaire qui a voulu expliquer la raison pour laquelle il était à bord du vol aux côtés de M. Guillaume Kibafourissourou malgré les menaces qui pesaient sur lui. Surtout pour lever l'équivoque sur les différentes interprétations qui entourent cette affaire en Côte d'Ivoire, la reconnaissance est une valeur africaine que nous devons tous cultiver. C'est une opportunité pour éclairer la lanterne des Ivoiriens sur cette affaire du président Guillaume Kibafourissourou, dit entrer le chef militaire, avant d'expliquer les circonstances ainsi que les préparatifs du déplacement au départ de Paris de M. Guillaume Kibafourissourou. Avant le 23 décembre, le président Guillaume Kibafourissourou m'a demandé si j'accepterais de rentrer en Côte d'Ivoire avec lui, car il aurait reçu des informations selon lesquelles il semblerait qu'il soit arrêté à son arrivée. Et moi, en tant que militaire, ma situation était pire parce que je faisais déjà l'objet de harcèlement au pays. Il a promis plaider mon cas arrivé en Côte d'Ivoire une fois qu'il arriverait à Abidjan, sur place. Meïté Sindou, qui n'était pas très rassuré vis-à-vis de la situation sociopolitique, a appelé le président Guillaume Kibafourissourou. Selon ses proches collaborateurs et ses propos, il semblerait que le dispositif sécurité mis en place à Abidjan était un dispositif ennemi et qu'il était bien évident que le président Guillaume Kibafourissourou soit mis aux arrêts à son arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai répondu au président, je ne me vois pas vous laisser rentrer seul en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Il m'a dit, si tu décides de rentrer avec moi, je ne peux qu'accepter, a répondu M. Guillaume Kibafourissourou au commandant Fofana. Guillaume Soro et son aide du camp, Abdoulaye Fofana, le commandant Fofana, sont tous les deux visés par des mandats d'arrêt international lancés par le président Alassane Ouattara, puis l'officier militaire, dont les raisons qu'ils ont décidé à prendre le vol. Le président Guillaume Kibafourissourou est quelqu'un avec qui on doit vivre pour le connaître. Il incarne les valeurs africaines surtout, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Il est honnête, sérieux et intègre dans sa parole. Ce sont des qualités que j'ai vraiment appréciées chez lui. En plus, il est important de savoir que je suis avec lui depuis 2002. Je sais qui il est et je sais qui je suis. Quand au détournement du vol sur Accra, la capitale ghanéenne, il affirme combien cela a été pénible. Il faut être franc, moi-même étant militaire, cette situation était pénible, difficile à vivre. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien de l'exil qu'on a vécu à cause du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, surtout étant dans un vol. Et tu ne sais pas où aller. Et même au Ghana, nous ne savions pas où aller, a rétorqué le colonel Fofana. C'est finalement le pilote qui est venu dire au président Guillaume Kibafourissourou que sa compagnie a un contrat avec l'Espagne. Il avait l'opportunité de nous faire atterrir quelque part dans ce pays. J'en profite pour dire merci à ce pilote parce que c'est lui qui a trouvé une destination pour nous, a rétorqué le colonel Fofana, puis de s'attaquer au RHDP.